Salut à tous et bienvenue dans ce direct d'après-match, en direct du Stade Vélodrome, après la victoire de l'Olympique de Marseille face à Nîmes, une victoire 3-1. Je suis en compagnie de Jean-Charles de Bonneau et... Salut Jean-Charles. Salut Ben. Et un invité, Anthony Briançon. Merci beaucoup Bonsoir. D'être avec nous, c'est très sympa déjà parce que bon, c'est une victoire de l'Olympique de Marseille, on l'a dit, donc... c'est une défaite pour Nîmes, une défaite par 3-1. T'as marqué d'ailleurs un joli but. C'est le régional, c'est le régional de l'étape. merci à toi, c'est très sympa, très fair play en tout cas de venir parler de ce match avec nous. Et avec Jean-Charles, je vais commencer avec toi. Comment tu as vécu toi ce match? Première mi-temps où Marseille a eu des occasions mais n'a pas réussi à les concrétiser. Il y a eu ce pénalty litigieux. Voilà, litigieux. Ouais, comment tu as vécu toi ce match? Comment je l'ai vécu? Déjà la première mi-temps, c'est vrai qu'on subit la majorité de la première mi-temps. On concède pas mal d'occasions, mais c'est des occasions pratiquement que sur coup de pied arrêté. On a retardé du moins l'échéance pendant un petit moment, mais on a réussi à rester costaud, on ne prend pas de but. Mais voilà, je trouve qu'on fout tout en l'air en revenant des vestiaires où on prend ce but à la 45e, peut-être 30 secondes après le coup d'envoi. Donc c'est pour moi une faute professionnelle et ça montre aussi l'exigence et la qualité qu'il faut avoir et la concentration qu'il faut avoir au haut niveau. Pardon, justement, Anthony, justement. Non mais toi c'est normal. Justement, Anthony, notamment sur les 45 premières minutes, je m'aperçois que vous avez canalisé un petit peu tout le terrain. Vous avez empêché quand même l'Olympique de Marseille, même s'il y a eu quelques situations dangereuses. Mais on a vu l'Olympique de Marseille excité, énervé, qui se précipitait sur des ballons et qui faisait beaucoup de fautes. Alors pourquoi de suite, comme ça, en deuxième période, ce relâchement, puisque vous étiez quand même dans le match? Bien sûr, parce qu'on avait bien analysé l'Olympique de Marseille. On avait regardé un petit peu leur côté gauche avec Amavi qui joue très haut. On a réussi à cadenasser Payet qui est l'élément majeur de cette équipe de ce début de saison. Donc ouais, c'était une première mi-temps très, très cohérente. Après, c'est comme je disais, un manque de concentration à l'espace d'une fraction de seconde et contre ces équipes-là, ça pardonne pas, quoi. Et c'est pas aussi, Anthony, malheureusement, les défaites sur défaites qui fait douter aussi l'équipe nîmoise ces dernières semaines et qui, à un moment donné, craque aussi. Bien sûr. Bien sûr qu'on est en manque de confiance, on doute. On est aussi sur 12 ou 13 matchs sans victoire. Ouais. C'est pareil, hein, mais je veux dire, c'est compliqué aussi pour nous. Marseille est en pleine confiance, Marseille enchaîne les victoires. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'état d'esprit, même si on se dit que c'est jouer au Vélodrome, tout ça, c'est quelque chose de fantastique pour nous, dans les têtes, on a toujours un petit peu de doute, ouais, quand on enchaîne les défaites. Après, comment tu l'expliques, toi, ça, ce visage complètement différent cette saison de Nîmes? On sait qu'il y a eu beaucoup de départs aussi. Parce que l'année dernière, vous faites une belle saison quand même. Ah ben je l'explique. Il y a eu des départs, il y a eu pas mal de départs. Pas mal d'arrivées aussi, mais voilà, il faut le temps de se reconstruire. Aujourd'hui, on a perdu la plupart de nos éléments majeurs de la saison passée. On a perdu notre... Le noyau, en fait, aussi. Le noyau dur de l'équipe, donc... il faut changer de système. On ne peut pas jouer comme on le faisait. Du moins, on n'a pas les qualités pour jouer comme on le faisait la saison passée. Mais en tout cas, on n'est pas encore largué. Mais c'est à portée de fusil. On a un match en moins. Et il va falloir s'accrocher. La Ligue 1 est quand même assez homogène cette année. Donc il va falloir en profiter. Alors justement, vous restez peut-être sur la dynamique aussi de cette montée de D2 en L1. Avec aussi des performances qui, des fois, te tirent vers le haut. Donc, systématiquement. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait un groupe extraordinaire. Et là, tout a été détruit, tout reconstruire. Ça complique aussi la chose. C'est vrai que la deuxième année en Ligue 1 est plus compliquée que la première. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est toujours la plus dure parce qu'on fait une bonne saison en Ligue 1. La majorité des joueurs n'avaient jamais joué en Ligue 1, se font remarquer grâce à leur performance. On finit quand même 9e à 2 ou 3 points du 5e. Donc, c'est quand même pour un promu une superbe saison.
Donc ça paraît logique que pas mal de joueurs soient demandés et convoités. Et malheureusement, malheureusement, le club n'a pas réussi à garder tous ses joueurs. Mais voilà, des joueurs sont arrivés, des joueurs de grande qualité. Des joueurs vont certainement arriver à la trêve hivernale. Donc on a confiance à ce qui va se passer dans les jours à venir. Comment tu as trouvé, toi, cette équipe d'Olympique de Marseille, qui est actuellement deuxième du championnat? Tu as vu Ben, une belle équipe c'est pas une équipe d'OM? qui a spécialement changé par rapport à la saison passée. Ils se sont renforcés avec deux trois joueurs importants, notamment Alvaro, Rongier et Benedetto. Ce sont des joueurs de très bons joueurs techniques. C'est un peu chauffé avec Alvaro ce soir, non? Ouais, parce que sans faire exprès, parce que vous avez, parce que mais je lui ai mis un coup de coude et je suis pas un joueur méchant, mais non, mais là, et puis t'as le tempérament d'un défenseur, c'est dans le jeu, hein. Je suis de dos, je lui mets un coup de coude sans faire exprès. Et ouais, il a mal pris. Ouais, deux joueurs de normal. Tempérament. Là. Ouais. Oui, là, et petite aparté, tu aurais pu être à la place d'Alvaro ce soir ou pas? Il y a eu des petits contacts cet été avec l'Olympique de Marseille, les médias en parlaient. Il y a eu des parlaient. Petits contacts, il n'y a rien eu de concret parce que je suis natif d'Avignon. Mm-hmm. S'il y avait eu quelque chose de concret et de poussé, je serais venu en trottinette. Je serais venu en solette. non, mais pour parler plus sérieusement, il y a eu des contacts. Bon, c'est un club que j'apprécie énormément. J'ai été pas abonné, mais je venais très souvent au Vélodrome à l'époque. Donc non, ça fait toujours plaisir d'être convoité par des équipes de ce calibre-là. Mais voilà, je vais essayer de travailler, de continuer à essayer de faire de bonnes performances et pour pouvoir essayer d'être ambitieux la saison prochaine et les saisons à venir. Juste une petite question sur l'Olympique de Marseille. C'est vrai, est-ce que tu penses que cette équipe a les moyens, toi qui as joué ce soir contre l'OM, les moyens d'accrocher cette Ligue des Champions? Oui, elle a largement les moyens. Parce que tu as joué contre tous les autres clubs. Moi, je pense qu'elle a largement les moyens. Elle a un effectif de qualité. Quand on voit que Sarr, Germain, Lopez sont sur le banc, c'est qu'elle a un effectif riche et de qualité. Donc moi, je pense que ils vont postuler en tout cas pour la place de deuxième pour la qualification automatique en Ligue des Champions. Je ne vois pas, à part peut-être Lille qui est à l'affût, mais je ne vois pas comment Marseille ne finirait pas deuxième. Lille qui a perdu d'ailleurs ce soir. Oui, 5-1. L'Olympique de Marseille, c'est vraiment une 5-1 Lille. Ouais. Ouais. Qui menait 1-0 d'ailleurs à 17e minute et qui en a pris 5 derrière. Donc ça n'a pas été. On va te libérer. On va te libérer, oui. Merci beaucoup. On te souhaite bonne chance, surtout de te sauver, parce que moi d'abord, c'est vraiment j'ai toujours dit, Nîmes Olympique, pour moi, c'est un club que j'adore, c'est un club de la région. Il y a une mentalité, il y a une âme. J'espère que de tout cœur, vous allez vous en sortir. Ben, c'est vraiment gentil. On va donner le maximum, en tout cas. Et merci à toi, merci. Et bon retour Anthony, sur Nîmes. À bientôt, bonne soirée. Merci. Ciao, mon poteau. Ciao. Allez, il y a Nico qui va merci nous... Merci à toi. Ciao, bon retour. Nico qui nous rejoint pour... J'espère pour qu'il va pas rater son bus. Terminer ce débrief. Bon, très sympathique, hein, Anthony Moyenson, en plus, de la région, peut-être qui a analysé la rencontre sereinement. Non, puis c'est bien de venir parler. Joueur de tempérament, c'est vrai qu'on le voit. Je le voyais bien, il aurait été bien dans notre effectif, ce jeune-là. Et ouais, parce que c'est jeune, quand même. Il plaît énormément à certains recruteurs de l'Olympique de Marseille. Bon, après, ils ont pris un mec plus expérimenté, et ça laisse de la place à Perrin aussi, hein, donc tu vois, l'un dans l'autre... Bon, messieurs, si on reparle de ce match, comment vous avez trouvé, comment tu as trouvé, toi, Nico, ce soir? On a vu quand même la différence de niveau entre les deux équipes, c'était assez flagrant. On n'imaginait pas comment l'OM pouvait perdre ce match, même si Payet a fait quand même beaucoup de mauvais choix et a souvent voulu trouver Benedetto à défaut de jouer sur des joueurs un peu plus sur l'extérieur. Ça a repoussé les chances. La deuxième période, Payet est énorme. Il est insolent parce qu'il marque un très joli but, etc. Mais il croque un peu encore même en seconde période. À un moment donné, il rentre tout seul, il frappe au-dessus, il peut la donner. Il est dans tous les bons coups. C'est lui qui lance tout. Qui est partout, en fait. Il est un peu dur, en fait, d'année. On a un mini-co, là. Je suis un peu dur, mais quand tu as un top joueur comme Dimitri Payet, tu attends l'excellence. Et moi, je trouve qu'il a un peu croqué ce soir et que le score aurait pu être bien plus large s'il avait fait des meilleurs choix. Et attends,
n'oubliez pas quand même qu'il y a un maillot de Dimitri Payet à gagner encore. À 3 sur Football Club. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis aux gens qui nous suivent. N'oubliez pas de voter, c'est demain le tirage. N'oubliez pas de voter. Pas de voter, de participer, de donner votre petit email. Votez Dimitri. Après, en fait, ce qui se passe aussi avec Dimitri, c'est que à 3-0, tu joues plus librement, tu te gargarises un petit peu, Il avait envie de faire le show. Il voulait peut-être marquer ce deuxième but aussi. Voilà, il est dans de bonnes conditions. Quand on se sent bien comme ça, c'est vrai qu'on en rajoute un peu. C'était un peu le Père Noël ce soir. Oui, d'ailleurs, on l'a vu. Hein. il était vraiment bien. Bon, l'Olympique de Marseille qui est deuxième ce soir, ok. C'est la grosse opération pour l'OM. Il y a 5 points d'avance sur Rennes. Il y a un match en moins. Qui a un match en moins. Face à Nîmes. À Nîmes. D'accord. Mais il y a Lille, là maintenant, qui a déjà 7 points. Et Lyon. Et là, il n'y a pas de match de retard. Et Lyon qui en a 12. Et Lyon qui a 12 points. Bon, Monaco 10. Est-ce que Lyon les évacue? J'ai posé la question qu'il y avait 10 points. Là, il y en a 12 maintenant. Donc, c'est mort. Il faut toujours se méfier. Non, c'est pas mort. Moi, je ne dis pas que c'est mort. Oui, mais je sais, cette équipe lyonnaise. Et Rudy Garcia. Ça, c'est l'argument, c'est l'argument massue. Ouais. Non, mais tu vois, je n'éliminerai pas Lyon comme ça, quand même, assez facilement. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer à la trêve. Il y a des joueurs qui vont arriver. Ils vont recruter Jean-Michel. Ils vont recruter déjà trois joueurs de renom, internationaux. Donc, il va pas se laisser abattre comme ça. Quatre victoires. Gervinho, Cabaye. Nous, on va perdre 4 fois, eux vont gagner 4 fois. Non, je ne souhaite pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que. On ne peut pas éliminer Lyon comme ça. Ça serait trop facile de dire que Lyon est sorti de ce championnat, que Lyon ne peut plus terminer deuxième ou troisième. On ne sait jamais dans le football. Nous, on n'était pas trop bien partis non plus. Puis là, on revient, on se repositionne deuxième avec 5 points d'avance sur Rennes qui a un match au retard. Alors, celui qu'on n'attendait pas, c'est bien Rennes, qui aujourd'hui se positionne à la troisième place. Qui sont allés arracher une victoire face à Bordeaux. 1-0, et but contre son camp de Bordeaux. Et c'est le premier match de Ligue 1 de 2020 pour l'OM. Parce qu'après le match de Coupe de France, l'OM ira jouer à Rennes. Ça va être un match vachement important. C'est pour ça que la reprise va être hyper importante, la préparation. Ce match-là, si tu gagnes à Rennes, alors là, c'est boulevard. Là, tu fais le trou et puis tu repars sur des conditions plus simples, plus enthousiasme aussi, parce que quand tu reprends comme ça, la deuxième partie, elle est toujours très difficile. Parce qu'il fait très froid. Le match de Coupe de France, il est dur aussi. Le match les déplacements sont difficiles avec ce match de Coupe de France. À Limoges. Et puis bon, la reprise d'entraînement, il y a les fêtes au milieu. Alors, ce que j'espère, c'est que les joueurs, et je pense qu'ils le feront, vont s'entretenir. Et surtout, cette trêve, elle arrive presque au mauvais moment. Quoi. Tu te dis, tu es sur une série, tu as 13 points en 15 matchs. J'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs qui ont besoin un peu de souffler. Quand, genre Sakai, ça ne va pas leur faire de mal, je pense. Oui, c'est vrai. Après, on peut parler un petit peu de. Ça fait du bien aussi de couper un peu aussi pour bien se relancer. Je ne sais pas si vous avez des infos. Est-ce qu'il va y avoir un mercato cet hiver pour l'Olympique de Marseille? A priori. Sans départ. Sans départ, il n'y en aura pas. Villas-Boas a dit qu'il ne voulait pas recruter pour recruter. Donc il se servirait une nouvelle fois des joueurs. À moins qu'il y ait un départ. Ouais, il est même allé plus loin, moi, je trouve, parce qu'il a dit sans départ, il n'y aura pas d'arrivée. C'est ce que lui a dit la direction. Et lui, il ne veut pas changer son groupe. Et il compte surtout sur le retour c'est de Thauvin. Ouais. Il compte sur Thauvin comme la recrue au mois de février ou mars. Thauvin, c'est quand même, on va dire février, fin février. Hein. S'il doit revenir, c'est vrai que ça sera la nouvelle recrue. Mais après, il faut qu'il reprenne possession de tous ses moyens. Ça ne va pas arriver comme ça. 60%, ça ne sera pas facile. La saison va être. Après, c'est vrai qu'on disait tous que cet effectif-là, il était très court en début de saison. Bon, là, aujourd'hui, l'OM est dans une situation hyper confortable. Et maintenant, on se dit que finalement, tu n'as pas besoin de recruter. Donc, c'est bizarre. Ça veut dire vraiment qu'il y a un groupe aussi qui s'est créé. Il y a surtout un entraîneur qui a su faire la différence entre certaines choses de la saison passée. Et cette année, ressouder un groupe, un état d'esprit, une ambiance. On voit pas les joueurs marronner quand ils sortent, quand il y a des choix. Ils respectent. Ils respectent parce que c'est bien dit, c'est peut-être aussi expliqué de la part de Villas-Boas, qui aujourd'hui donne cette envie de toujours tirer vers le haut, de vouloir faire jouer un petit peu tout le monde, même s'il y a une équipe type qui s'est dessinée ces dernières semaines. Mais voilà, les joueurs sont là, présents, donc ça travaille dur, ça pousse ceux qui ne veulent pas sortir, ça permet d'avoir des résultats aussi derrière. Voilà, moi je pense que l'homme fort de cette première partie de championnat, c'est quand même Villas-Boas. Non, mais c'est sûr qu'il y a un enthousiasme. Et ça, moi, j'ai fait la fan cam avec Mourad juste après le match. On le ressent aussi auprès des supporters. Là, c'était un peu l'euphorie. Ils ont tiré des feux d'artifice sur le parvis. Il y avait une énorme ambiance. On sent que là, il y a tous les supporters marseillais derrière le club.
Le stade était rempli ce soir et c'était face à Nîmes. 58 000. Alors justement, j'ai le chiffre exact, chers amis. Ah. 58 926. Voilà, donc, c'est allez, 59 000. C'est le deuxième. Les invitations. Mais moi, je suis dans la précision, dans l'information vraiment précise et technique. 58 926. C'est bien le téléphone. Hein. Eh ouais. Ah, c'est voilà, le petit texto. Donc, c'est quoi, c'est la deuxième meilleure affluence de la saison. C'est la première, non? Non, c'est Lyon. C'est Lyon. C'est Lyon, ouais, mais... c'est Lyon la première, je crois. C'est une question ou pas? Non, c'est une question-réponse. Non, mais je suis quasiment sûr. C'est, non, on revient loin, mais c'est vrai que c'était inespéré, cette deuxième place. Qui aurait dit que l'Olympique de Marseille, cette saison, à mi-parcours, serait deuxième? Quand Villas-Boas, il parlait de podium en début de saison, tout le monde se disait, on se rend compte... Et puis deuxième confort. Qu'est-ce qu'il dit avec le même effectif? Alors, au départ, l'OM a été un petit peu second, parce que derrière, il n'y avait aucune équipe. Patiné. Voilà, aucune équipe qui arrivait à sortir. Mais là, t'as enchaîné beaucoup de victoires. Ça a été ça, la force de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'ils ont su prendre le dessus sur les équipes qui étaient en délicatesse. Et puis, ils n'ont pas lâché le morceau, en fait. Et t'as battu les gros. Et t'as battu les gros cette année. C'est ça qui est important. Mais tous tes concurrents, tu les as battus. Alors, j'ai un petit bémol, justement. C'est que là, il va falloir être très, très bon lors des matchs retour parce que les gros, on va les jouer chez eux. Il va y avoir beaucoup de déplacements chez les gros. Et ça va compliquer les choses. Mis à part Paris... T'as beaucoup reçu les gros. Est-ce que vous imaginez, vous, l'OM chuter du podium un peu comme l'année de Bielsa, quoi, où tu finis champion d'automne. Donc là, on finit aussi champion d'automne. Non, mais c'est vrai. D'automne et de second championnat. Ce qui peut nous poser problème, c'est sur l'aspect physique. Donc est-ce qu'on peut terminer, est-ce qu'on peut finir champion, d'automne Non, champion du second championnat. Deuxième, quoi. Non, mais attends. Champion d'automne. T'es en train de l'embrouiller, là. Oui, là, tu nous embrouilles. Enfin, moi, ceux qui nous écoutent aussi. Non, finir second, tu vois. J'ai mis Paris de ce championnat, hein, c'est pas notre championnat. Oui, donc finir second. Moi, je pense qu'il y a la possibilité parce que, en fait, ils n'ont pas non plus joué l'Olympique Marseille sur cette première partie que sur l'énergie. C'est vrai qu'il y a eu quand même un système de jeu. Mais on voit que ça progresse dans le jeu, quand même. Ça progresse. Il y a des buts qui sont marqués, ce qui n'était pas le cas il y a. On va dire un mois et demi en arrière. Oui, il y a un système qui est en place. Tout le monde fait son boulot. Alors même s'il y a un petit peu usure physique en cette fin de première partie, mais ils ne sont pas sur les rotules non plus. Donc il y a une semaine de récupération, une semaine, 10 jours de récupération. Maintenant, moi je fais confiance aussi aux préparateurs physiques, au staff médical, à Villas-Boas, qui leur permettra d'être une nouvelle fois pendant 3 mois au meilleur de leurs possibilités physiques. Moi, je pense qu'il peut être donc dangereux, c'est tous ces déplacements. En début d'année, ça va aller très vite parce qu'on va aller à Rennes, à Bordeaux et à Saint-Etienne. Lors des 4 premiers matchs, il y a ces 3 déplacements-là. Donc là, ça va être un très gros test. Et surtout, moi, je pense que ce qui pourrait contrarier l'OM pour finir à cette seconde place, c'est l'OM. C'est-à-dire que s'il y a des blessés, s'il y a des suspensions comme on a vu à un moment donné, on a bien vu qu'au moment où Payet et Camara ont été suspendus, il y a eu un creux au niveau des résultats. C'est peut-être là où tu te dis, encore une fois, le mercato, même si on a un groupe qui est soudé, un groupe qui fonctionne parfaitement, mais c'est aussi peut-être anticiper une blessure. Anticiper les blessures, les suspensions, la fatigue, mais c'est anticiper ça, mais est-ce que c'est pas aussi détruire... un esprit de groupe, mais aussi faire venir un joueur qui n'a peut-être pas joué dans un autre club et qui veut se relancer à l'Olympique de Marseille, mais qui risque d'être remplaçant dès le début. Est-ce que les joueurs vont accepter de venir au départ, peut-être sur le banc de touche? Est-ce qu'il ne faut pas prendre dans ce cas-là plutôt un profil de joueurs plus jeunes qui vont venir plutôt dans une optique de développement et qui ne vont pas tout de suite être là pour être titulaire? C'est peut-être ce profil-là qui peut se rajouter à un groupe sans causer trop de problèmes. Ouais. Déjà, il ne faudra pas en perdre, ce qui est certain, parce que vu la première partie de ce championnat, les demandes vont tomber, je pense, du côté de l'Olympique de Marseille, pour des joueurs qui devront... Et là, je pense en l'occurrence à Sanson, à des joueurs comme ça, qui sont capables peut-être, même à Dimitri Payet, parce qu'il y a eu des débrouilles ces dernières semaines, qui seraient capables de partir peut-être. Si tu crois ça, Jean-Charles? Non, moi, j'y crois pas, parce que Dimitri, là, il est super bien. Il y a le championnat d'Europe quand même, parce qu'il faut penser à ça aussi. Qui est le mode de jouer. C'est un objectif. Donc, ça reste aussi pour les joueurs un objectif qui peut être important. Bon, messieurs, quand on est second, c'est aussi un challenge pour eux. J'ai une question qui nous est posée sur Twitch. Eh oui, bien sûr, sur Twitch. qu'est-ce que vous avez pensé de Radonjić, titulaire ce soir? Je le préfère en super sub, moi, personnellement. J'ai trouvé pas mal, il fait un match correct. Après, le début de match, il a quand même beaucoup croqué. Il a fait un peu le tout droit sur plusieurs actions. On voit qu'il a cette vitesse incroyable.
qui peut faire basculer les matchs à lui tout seul. Ça, c'est quand même des arguments forts. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a été plus percutant quand il était rentré en cours de match. Il est meilleur à gauche. Je suis de son avis, mais certes, avec les prestations qu'il a pu donner ces dernières semaines, il fallait le mettre titulaire. Mmh. Alors, il fallait qu'il monte un petit peu. Oui. En fait, il fallait qu'il démonte un petit peu toutes ses qualités. Alors, c'est vrai que je trouve qu'il était meilleur en seconde période qu'en première, même s'il a créé certaines choses en première mi-temps. Mais il a quand même eu quelques difficultés à lui faire du 1 contre 1 et à passer comme il le faisait quand il rentrait en tant que joker. Maintenant, c'est un choix aussi. Il fallait faire reposer Sarr parce qu'il en avait besoin. Donc voilà. C'est peut-être ça l'argument de le faire jouer titulaire, c'est tant qu'il n'y a pas Thauvin, est-ce qu'il y a meilleur que lui pour jouer lui? Oui, mais attends, il fallait aussi le tenter. Il avait déjà tenté, il a fait deux matchs de suite. Mais surtout le récompenser. Voilà, le récompenser. Des matchs qu'il avait fait auparavant. Surtout ça. Mais bon, je mettrai une note sur 10, elle sera nommée une note sur 10. Ouais. Je mettrai 7. On verra si Mourad est aussi généreux que toi. Ah. Et si on parle de Radonjić, on parlera aussi très certainement un jour du retour de Thauvin. À ce poste-là. Oui. Radonjić, je préfère jouer à gauche, faut pas l'oublier par contre. Oui, par contre, il était bien meilleur quand il est passé côté gauche. Il aime bien rentrer, comme Thauvin, inversé. Oui. Bien inversé. Quoi. Bon, messieurs, on va s'arrêter là pour ce. On donne un petit peu le programme de lundi. Lundi, on a un petit invité, a priori. Oui. Alors, on va se donner rendez-vous. On va se donner. Un ancien Limoges et Marseillais. On va se donner rendez-vous donc pour Débat Foot Marseille. Ça sera lundi sur Football Club de Marseille, sur la chaîne YouTube, sur le site footballclubdemarseille.fr à 17h30 avec comme invité Johnny Ecker, ancien Limoges et ancien Marseillais. Ancien Limoges, ancien Marseillais et surtout. Surtout. On va donner le nom du gagnant, celui qui va remporter le maillot. De Dimitri. C'est pas ton fils, Payet. J'espère. Hein. Non. T'as pas trafiqué le truc. Je vous le dis, hein, j'ai ramené le maillot de Dimitri Payet. J'ai tenté de trafiquer. Mais c'est pas moi qui tire au sort le gagnant. Moi, je me suis fait choper. Moi, on me l'a demandé du Canada, le maillot, de trafiquer les trucs. On peut pas. De Mayotte. On me l'a demandé. Papa. Et si on le mettait finalement aux enchères, ce maillot? Ça y est, on va changer les règles. On gagnerait beaucoup d'argent, je pense. Mais non, mais ça, c'est pas Football Club de Marseille. On vous l'offre, le maillot. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Et surtout, bonne fête. Ouais. Hein. Et ouais, très bonne fête. Non, mais on va les voir avant. C'est vrai, on les voit. Oui, on se revoit lundi. Bon, mais ça va. Voilà. On peut leur dire bonne fête quand même. Bonne fête, vélo. Rendez-vous lundi. Et Nico va. Je vais arrêter. Je vais arrêter ce live. Voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Allez. C'est le direct. Ciao.